Et yo tout le monde, c'est Charty en compagnie de Jay-Z. Voilà, en compagnie de Jay-Z. Et donc voilà, c'est incroyable. C'est comme les choses changent beaucoup. Hein, ça fait voilà, ça fait un petit moment maintenant qu'on est en compagnie de Jay-Z. En fait, j'avais commencé un discours, mais voilà. Donc allez, on s'en fout. On continue cette sauvegarde. Incroyable. Ouais, mais incroyable, mais vrai. Tiens, je t'offre ce micro. Ah, merci. Non, attends, bouge pas trop. Après, ils vont... Ou alors, ils vont aimer. Je sais pas s'ils vont aimer ou s'ils vont me détester après. En fait, Piccolo, c'est vraiment celui qui a été délaissé, en fait. Ouais, mais je crois pas qu'on peut continuer, en fait. Ah, peut-être que si. Tu crois? Ah non, c'est vrai qu'on peut pas. Parce qu'il y a ça, mais après, il y a plus rien. Faut attendre. Pourquoi j'ai cliqué? Parce qu'on n'arrive plus à revenir en arrière. Comment on fait pour revenir en arrière là? Tu te démerdes. T'es obligé de continuer. Ok, bon bah c'est sur ce retour impressionnant que nous allons continuer le jeu. Oh, c'est incroyable! Il y a tellement de soleil qu'on voit même pas le nombre de minutes là. Non, c'est juste que tu sais pas lire. 1 minute 19? Ouais. J'ai mes lunettes? Oui, c'est bon, j'ai mes lunettes. Waouh! Le gars! Waouh! Alors. Oh, Vegeta s'empare d'une boule de cristal. Mais en fait, on peut même plus faire retour qu'une fois qu'on est là, quoi. Vous foutez de ma gueule. C'est peut-être là plutôt. Non, j'ai essayé, espèce de. Non, mais t'es nul. C'est juste... Non, mais toi t'es c'est nul. Pas cliqué. Je m'en fous, moi, je fais Vegeta. Faut faire ça, faut pas faire ça, faut faire ça. Zarbon triomphe de Vegeta et le conduit au vaisseau spatial. Il compte soigner les blessures de Vegeta dans le seul but de le torturer. Voilà qui tourne à l'avantage de Vegeta. Alors, le mec le soigne pour le rebattre et pour le lui refaire mal. Il est gravement atteint, le mec. C'est de la torture pour qu'il avoue tout. Hé, Vegeta, il n'y a que toi qui sois assez stupide pour affronter Freezer. Sois gentil et donne-moi cette boule de cristal. Hein? C'est toi qui faisais la voix, je te rappelle. Parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on a pu tourner. C'est vrai. Tout est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh là là. C'est le retour des blagues de merde. Oh, elle est bien la musique. Ouais. Elle est entraînante. Ah ouais. Pas du tout. Est-ce que je mets une carte contre? Je ne sais pas, mais je l'ai fait. Parce qu'il est donc je suppose que je l'ai fait. Puisque j'ai osé le faire. Tu ne veux pas fermer ta gueule. Ouais, je te jure. Ah oui, moi aussi, je te jure. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour qu'on me haïsse? Toutou. Ah, toi aussi, t'as un toutou? Oui, plus il s'appelle Prince, son chien, alors. Ouais. C'est vrai, le mec... Il est prince, il a des goûts de prince en plus. Hein? Il mange même pas de la nourriture pour chien. Il n'accepte pas ça. Sérieux? Il accepte que ce qui est bon. Mais il bouffe quoi ton clébard? De la pâtée. Bah, la pâtée c'est de la bouffe pour chien. Pour humain. Pas la pâtée pour chien. Sérieux toi? Tu vois le truc qui coûte pas mal cher. Mec, il boit. Le mec, il donne du foie gras à son chien, tu sais. Oui. Sérieux? Il accepte que ça. Bah, laisse-le crever, hein. Moi, je serais. Toi, je le nourrirais pas, mec, hein. Mec, il nourrit son chien au foie gras, tu sais. Et pour Noël, il reçoit quoi alors? Ah, la dinde, hein. La dinde, alors, ouais, oui. Hein. En direct. Et toi, tu bouffes des croquettes alors? Le jour de Noël. C'est super bon. Ça, je peux te le dire. Pas la peine de le nier. Mais qui bouffe des croquettes le jour de Noël. Oh non, mais. En cliché, il est comme ça. Quelle belle dinde. Bon, bah, par contre, faut pas que les gens nous croient là parce que. C'est vrai, il faut leur cacher la vérité. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, c'est des conneries. Hein. Ouais. Comme là, par exemple, pour tourner cette vidéo, on est obligé de,
de fuir. Normalement, nous sommes des enfants battus, voilà. Ouais. Et là, voilà. On est obligé de tourner dans la cave, hein, enfermé à des chaînes. Et d'ailleurs, on nous oblige hein, à tourner des vidéos. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Non, on vous aime pas. Hein. De quoi ? Servait à quoi, sérieux ? On est là par obligation. Hein. Bah oui, pas on est là vous, pour hein. obligation. Ordre du patron. Parce que, en fait, on s'en bat les couilles de vous, clairement. Ah bah clairement. Hein. C'est sûr qu'on passe pas, on passe pas exprès des heures et des heures pour faire des montages. Hein. Voilà, faut arrêter que vous croyez ça, hein, parce que là, ça sert à rien. Hein. Moi, si c'était ça, j'aurais déjà opté pour devenir charbonneur. Hein. Pour devenir, comment on appelle ça, mineur, voilà. Même si je suis déjà mineur, que j'ai pas 18 ans, voilà, je veux devenir mineur dans les mines, voilà. C'est plus intéressant. Hein. Bon, au lieu de dire des conneries... Prends la contre, tu vas perdre. Ne jamais écouter Jay-Z. S'il y a bien un conseil que j'ai appris au fil du temps, ne jamais t'écouter. C'est vrai. Et pourquoi ? Pourquoi ? Ah, attends, laisse-moi récapituler. À chaque fois que je t'ai écouté, ça m'a mis dans la merde. Quelques fois ? Bon, tout le temps, non ? Plausible. C'est plausible. Tout est plausible. Bon, quand même, niveau 19, moi que je suis que niveau 16. Ouh, il est faible, quoi. Canon Garrick. J'ose même pas imaginer Zarbon. Hein. Eh bien, j'ai. Ah non. Eh bien, j'ai totalement récupéré. Le mec, il fait un combat. Ok, le mec, il allait pas bien, mais il fait un combat, c'est bon, il est sur pied. Ah, ce combat m'a remis sur pied direct. C'était quoi ce bruit ? Là, je sais plus quel mot je dis. Si, c'est à peu près ça. Non, c'est Vegeta. Cette fois, je vais le détruire. Voilà. En plus, il a une voix à peu près comme ça, je crois. Non, il a une voix. C'est toi. Ne me dites pas que c'est. Oh, Freezer, a-t-il caché les. Ah oui. Freezer a-t-il caché les boules de cristal ? Je vais devoir fouiller le vaisseau. Ouh, Freezer a dû cacher les boules de cristal. Oh non, hé, c'est quoi ? Téléphone, t'as qu'à sonner. Hein. Mais, détecter les sources d'énergie ennemies devrait me permettre de les localiser. Essayons. Je ne vous bougerai pas. C'est là qu'en fait, ils voient que tout ce qu'on dit, c'est faux. Parce que un téléphone dans une cave... voilà quoi, hein. Au moins, je sais où sont mes ennemis. Je dois retourner au vaisseau sans m'approcher de Zarbon ou de Freezer. Freezer n'aura pas les boules de cristal, c'est moi qui deviendrai immortel, pas lui. Alors on m'a quand même dit dans les commentaires, parce que c'est vrai que j'avais... Voilà, je savais pas trop. Faut défoncer Freezer. Hein ? Faut défoncer Freezer. Ah je sais pas. Il est niveau 25 je crois Freezer. Bon, il est niveau 20, je crois qu'il faut pas tomber sur Zarbon et tout. Alors... On m'a dit que Zarbon et Doria étaient tous les deux des garçons. Parce que je savais pas et voilà, on me l'a dit. Moi je savais que c'était une travestie. Donc non, on m'a confirmé que c'était pas une travestie Zarbon. C'est bien un gars. Ouais. Ça peut paraître con, mais c'est un gars. Travestie alors ? Non, c'est un gars tout court quoi. Travestie. Et pas, un, gâte, et pas un gâteau. Il a une tête de meuf, c'est un travesti. Hein. Ah oui, c'est sûr. Là, hein. Alors dans ce cas, tous les rockers sont des travestis. Parce que tous les rockers se laissent pousser les cheveux. Enfin, large. Tous, non, mais... C'est large et travesti. Désolé, il aime bien la beauté, il aime tout ce que les femmes aiment. Désolé. Vegeta. Meurs. Ah non, c'est toi. Meurs. C'est pareil. Beurre. Ah, ça va y aller. Peur. Terreur. L'heure. J'ai pas vu. Sœur. Grande sœur. Alors, arrière grande sœur. Grande peur. Grande terreur. Fleur. Saveur. Attends. Ah, je suis en train de me battre là. Attends. casseur. Flotteur. Tiens, deux d'un coup là, mange-toi. Taser, ta sœur. Ah c'est bon là, je l'ai battu là. Bon, on se fait une autre rime.
Qu'est-ce que je suis censé faire, moi, avec ces merdes, là? Alligatueur. Oh, bien, bien. Attends. Un truc dans Dragon... Non, il faut que ce soit un truc dans Dragon Ball Z. Freezer. Alors, on attend. C'est l'heure. Non, il faut un truc de Dragon Ball Z. Attends. Attends, dans Dragon Ball Z, un truc en heure. À part Freezer. C'est l'heure. T'as pris sur celle. Ouais, bah oui, c'était fait exprès. Attends, t'as un truc en heure. Y'a pas que Freezer en heure dans le. Ah ouais, meurt, ils le disent tout le temps. Zarbon. Y'a quoi comme nom? Doria, Zarbon, Krilin, Tortue Géniale, Tenshinhan, Yamcha. Yamcha. Éboueur. Non, y'a pas d'éboueur dans Dragon Ball Z. Putain. Tais-toi. Déjà, ça se dit même pas, Poubelleur. Oui, et alors? Mais qu'est-ce que ça fait? Je connais pas les protocoles et le copier-coller. Mais si tu connais pas le copier-coller, t'es vraiment un con. Hein. Je sais pas si c'est ça les paroles. Si, ça doit être un truc. Bon, y'en a un qui a la clé là, mais je sais pas qui. Où sont les boules de cristal? Elles ne sont pas là. Salaud. Freezer. J'ai peut-être pas les boules de cristal. Mais j'ai deux boules. Non, j'allais pas dire ça. J'ai peut-être pas les boules de cristal. Mais j'ai les boules de Chantal. Parce que cristal, c'est un prénom. Oh yeah. Chantal. Samantha. Oops. Chantal Goya. Tu connais? Pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Oh, ça c'est bien ça. On va commencer à faire l'accent marseillais. Hein, pour ceux qui nous suivent. Je sais pas le faire. Ah, moi je sais très bien le faire. Hein. On se lève à 7h. On se lève à 10h le matin et on travaille jusqu'à midi. C'est Tarpin branché en plus. Tarpin beau. Attends, on se lève à 10h du matin et on travaille jusqu'à midi. Après, on reprend seulement le lendemain. Hein. Tarpin travaille. Y'a pas de travail l'après-midi qui tienne. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, Tarpin. Tarpin, c'est bien, je crois. Non, c'est beaucoup, Tarpin. J'ai demandé aux Marseillais, ils savaient même pas. Hein. Pour dire, eux, ils disent des trucs, mais ils savent même pas ce que ça veut dire. Ouais. Moi, je connais très bien le savon de Marseille. Ouais. Après, celui-là, je savais pas. Je tire ma révérence envers toi. Ah bah oui, t'as intérêt. Hein. Tu connais tellement de choses. Ah, moi je connais la vie, moi. La vie, c'est dans League of Legends, c'est un personnage. Ça va partir en délire, hein, cet épisode. Alors, 3, 2, 1... Joyeuse année. Joyeuse année. Alors déjà, c'est bonne année ou joyeux Noël. C'est pas joyeuse année. Hein. Mec, il confond tout, tu sais. Alors, allez, soldat. Joyeuse année et bon Noël. Végétal. Meurs. Végétal. Où vas-tu faire pousser tes haricots? Le Sengoku. C'est un bonsaï. C'est un bonsaï. C'est vrai en plus. Hein. Oh non, non, non. C'est un arbre. Le Sengoku. Le Sengoku. Ah ouais, et le Krilin alors c'est quoi? Non mais. Crétin, je sais pas. Mec... Krilin, crétin. Non. Tu vois, à cause de toi, je perds. Je rigole pas, hein. Le Sengoku. Mais le Sengoku, c'est genre, c'est un bonsaï. Bah, c'est. Bonsaï, Sengoku. C'est un arbre. Le Sengoku. C'est le gars. Il s'y croit à fond. C'est un bonsaï. C'est parce que c'est un bonsaï. Oh non, mais là tu m'as tué, mec. Mais quoi? Tu vois pas ce que j'ai fait? Mais je parle pas de bonsaï. Non, mais moi non plus, mais. Je sais.
Non, n'y pense je pas. Je sais ce que c'est un bonsaï, espèce de con. Mais n'y pense pas. Non, mais je sais que c'est un arbre, un bonsaï. Mais c'est juste que voilà, toi, tu sors ça comme ça. Sengoku. T'as dit végétal. Oh non, mais là, c'est mort, on s'arrête plus. Hein. Mais je sais que j'ai dit végétal, mais tu dis Sengoku, Banzai. En plus, Banzai, ça sonne bien japonais, tu sais. Ah oui, ça a été fait au Japon, les premiers Banzai. Je sais pas, moi. Je sais rien, moi. Ce que j'ai, c'est que le Sengoku, c'est un arbre. Mais putain, mais... Voilà, ouais. Tu vois, ça, c'est à cause de toi, ça. C'est bien, ça. Mais non, je voulais faire 9. Mais tant pis, c'est pas grave. Ouais, là, ça vaudra le coup, je pense. Si jamais il m'a plus que 9. Ah, ah non. L'idée c'est que ça achète au supermarché. Quoi? Quoi? Quoi, les deux s'achètent au supermarché? Les alors œufs. Les œufs s'achètent au supermarché. Les 9. Quel rapport? Neuf. Oh putain, les 9, les œufs. Oh putain. 9-9. C'est un Pokémon ça? Non, c'est 9-9. Ah, t'as compris qui c'était le pro ici. Le pro des calembours. Contre. Non mais, Sengoku Banzai quoi. Non mais, ça, le jour où on doit faire un bêtisier, je te le promets, tu peux être sûr qu'il va se retrouver là-dedans. Où sont les boules de cristal? Chez Chantal. Veste oh, de combat. Je l'ai trouvé. Veste de combat. Trop d'objets transport. What? Et pourquoi en cherchant les boules de cristal, il trouve ça? C'est vrai que ça ressemble un peu. C'est pas du tout de la même couleur. Ah, t'as trouvé en plus une pomme. En fait, le mec, en fait, tu vois, là, c'est le coin du garde-manger. On a trouvé tout... Sa mission, c'était de chercher les boules de cristal. En fait, c'était juste la nourriture, quoi. Elles ne sont pas là. C'est ce qu'il a dit. Merde, dommage. J'aurais pu parier. Très intelligent, Zarbo. Très, très, très intelligent. Alors. Presque aussi intelligent que moi. Alors, moi je dis, moi je dis, moi je dis. Fiston, moi je dis. N'écoute pas les adultes, ils ne savent pas parler. Quoi le blanc? Personne ne parle. C'est... Ah d'accord. Oui. Non mais parce que j'étais concentré en fait. Ouais. Comme le citron. Ouais, non mais sérieux, Z7 quoi. Quoi va te suicider? Je vais me suicider. Allez me suicider. Yeah. Non c'est cool la mort. C'est vrai, c'est vrai. La morve vient te chercher. Non. Ce qui est mieux dans la morve, en fait c'est la morve. Mieux dans la morve, c'est la morve. Non, je sais pas, morve, ça ressemble un peu à mort. Pourquoi t'as dit deux fois mort? Je sais pas, j'ai dû me planter. Ouais. Parce que j'hésite entre mort vivant, morve et mort en fait. Waouh, wow, quelle vie de merde. Waouh. Pourquoi partage-t-il ça avec ses abonnés? On n'a-t-il se le demande. Pas de vie? Oui, n'a-t-il pas de vie? Nathalie, pas de vie? Mais il est sérieux là? Il est sérieux là? Oh là, c'est le match le match nul le plus impressionnant de ma carrière là. J'ai nul, hein. Jamais vu un truc aussi impressionnant. Alors là, il m'a déçu. Combo de puissance. Allez, allez. Oui, 19. En fait, c'est un combat de pépé ça. Ça n'avance pas en fait. On s'en fiche. Allez, on continue à jouer. Bah oui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Chantal. Chantal Goya. Non, en fait, on arrête là. Ouais, on arrête là. Je suis d'accord. Je demandais de chanter, pas de faire de la merde. Moi aussi, je suis d'accord, on arrête là. On a été trop loin cette fois. Il faut que on remette en cause nos erreurs. Et qu'on apprenne à s'unir pour surmonter les obstacles. Ouais,
Et après, on détruit la planète. Soyons sensés. Nous avons un tas d'objectifs à remplir avant de quitter ce monde. Avant 2015. Le gars qui est tout sérieux. Il faut tuer le président. Dédicace à Maddy. Et ouais, parce que le fromage là, il est pas bon. Ouais. Ça, donc pour ceux qui savent pas qui c'est Maddy, bah tant pis pour vous. Nous on connaît, puis voilà. Parce qu'il m'a dit. Il m'a dit de se taire. Voilà. Voici notre vie. Hein ? Voici notre vie. Voici notre vie. Quoi de plus intéressant que notre vie ? Ah, fui ! Il a fui, il a tout compris. Oh ! Il a fui, il a tout compris. T'étais obligé de le faire, ça. Bah oui. Oh, il va démonter. En plus, t'es obligé d'y aller face à lui. Non, je suis pas obligé. Si je vais tout droit avec le mec, ça va le faire. Parce que lui, logiquement, il va pas aller sur le mec. À moins que... Il est attiré à toi. Ton odeur. Ta beauté. L'odeur corporelle. J'ai dit, c'est un travesti, en plus un gay. Le gars, il traite les personnages du jeu. Tu sais qu'en plus, ils en ont fait un remake de Dragon Ball Z. Un remake un peu plus... un peu plus... Voilà, quoi. Non, tu m'auras compris. Je crois, mais... je suis pas sûr. Mais... En vrai, ils l'ont transformé en un truc un peu plus... Plus hot, quoi. Voilà. Oui, j'avais compris. Vegeta. Tu parles du nouveau qui vient de sortir. La nouvelle saison. Mais non, mais... Ah, vas-y, déjà, lis le dialogue. Meilleur. Voilà. Ouais. Non, en fait, ils l'ont... il y a des... Je sais pas si c'est des fans ou... pas vraiment des fans, mais... Lui, ils l'ont transformé... Sur Internet, fan... Non, mais t'es con, toi. Entei Dragon Ball Z. Non, oui, en gros, c'est la même chose, mais... Voilà, c'est un autre nom, mais c'est inspiré, on va dire. Pourquoi j'ai pas mis la 6 ? Pourquoi j'ai pas mis la Suisse ? Couteau Suisse. On devrait faire une émission, nous deux, sur la chaîne, qui s'appellerait Radio Mago ou un truc comme ça, Radio Rago ou un truc comme ça. Les mecs racontent leur vie et font des blagues de merde. Franchement, dites-nous si c'est une bonne idée. Moi, je suis sûr on doit faire ça. Ah, c'est notre vie, ça. C'est le destin, ça. Tout seul. Parce que moi, ça m'intéresse pas. Si YouTube me donne pas de la monnaie, non. Peut-être qu'ils s'intéressent à nos parties et tout ça. Quoi, non. Je suis sérieux en plus. Ouais, tu dis ça trop sérieusement en fait. C'est ça le problème. C'est ça. C'est tellement sérieux qu'en fait t'es même pas crédible en fait. Pourquoi ? Parce que je suis jamais sérieux, c'est ça ? Crédit mutuel. Ça, c'est sûr, la Matmuta, elle assure. Elle assure. Ouais. T'as vu ce swag ? Millionnaire. Ouais. Vas-y, rajoute la basse là. Pas du tout inspiré. J'ai pas du tout copié sur quelqu'un. Pour dire bana, la basse. Bana. Moi je connais pas. What? Tu nous as chanté quoi là? Bah c'est pas ce que tu chantais. Mais non, je chantais pas ça. T'es con toi. Attends, tu nous as chanté. Ah, mais elle est vieille cette musique! Non, 2012 elle date, je crois. Je sais plus ce qui c'est d'ailleurs. Où sont. Ah non, c'est à toi. Où sont les boules de cristal? Je me suis trompé! Pourtant, je suis si fort! Ah yes! Une clé! Oh nickel. Maintenant. Sa chambre doit être par là. Oh non! Il avait dit encore autre chose après? Sa chambre. Non. Peut-être que t'as une. Non, mec. T'es mort. Putain. Regarde toutes les contres que tu as, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Toutes les contres que j'ai. T'es un génie, mec. T'as inventé la poudre, toi. Mais qu'est-ce que j'ai? Mais t'as dit toutes les contres que j'ai juste à transformer celle-là en pas en contre. Attends. Je capte pas. Eh ben, vu que là, il y a un gros combat qui m'attend, c'est cool, j'ai plein de contres. J'ai juste à mettre celle-là en objet, justement,
prendre justement un truc qui va m'aider. Non, pas de combo, monsieur. Et voilà. Enfin, là, j'y vais un peu à la Osef style, tu vois, mais... Tu comprends parce que je dis ou tu... En fait, là, je passe d'un sujet à l'autre. Je vais prendre la veste de combat, négro. Eh ouais, parce que c'est fait pour le combat. Oh, oh putain. Quelle déduction! J'ai toujours voulu devenir philosophe. Le philosophe sans la barbe. Ton petit manège est terminé, Vegeta. Tu n'iras pas plus loin. Voilà. Sois raisonnable et soumets-toi au seigneur Freezer. Il m'a autorisé à traiter ton cas comme bon me semble, mais... J'aimerais bien être avec toi. Dans sa chambre. Voilà. Parler avec moi ne changera rien. Parler avec toi, parce que si t'arrives à parler avec toi-même, t'as un problème, toi. Ouais, parce que... Voilà. Ouais, sinon... Ah oui, c'est déjà un bon épisode, là, je crois. Ah bon? 26 minutes, là, non? Oui, 26 minutes, mais... Ok, bon, bah, les gens, on se quitte un peu brutalement, désolé, mais je veux pas vous spoil cet épisode, et on reprendra directement sur cette parole. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à nous suivre sur Twitter. À nous insulter. Et en attendant, moi et Jay-Z, on vous dit bye tout le monde. Salut.